I still see it all in the tourist jam round the Notre Dame. I Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement mercredi après-midi et je vais tout de suite commencer avec la tenue du jour. Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, je change totalement les formes des jupes que je porte habituellement. J'ai plutôt tendance à me diriger vers des jupes évasées, mais cette fois-ci je suis partie sur une jupe beaucoup plus proche du corps, avec en plus un imprimé léopard à tomber par terre. Et cette magnifique jupe vient d'une boutique en ligne qui s'appelle Daily, qui est une boutique française à fabrication française pour couronner le tout. C'est une jupe qui me faisait de l'œil depuis un certain temps déjà, que j'avais énormément hésité avant de commander parce que bien évidemment je me disais que jamais ça m'irait de porter une jupe comme ça. Mais cette année, je continue de défoncer mes préjugés et donc j'ai fini par franchir le cap. Je l'ai commandé il y a de ça quelques semaines, reçu il y a quelques jours et je suis vraiment contente d'avoir osé parce que je trouve qu'elle est plutôt sympa. Alors la première chose, c'est qu'elle a un élastique au niveau de la taille, ce qui fait qu'elle est relativement confortable à porter. En plus, le tissu, même s'il est près du corps, est assez souple, ce qui fait qu'on peut bouger. Et ça, c'est un point hyper important. Et bien évidemment, dernièrement, je trouve qu'elle tombe super bien. Elle est très près du corps sans être vraiment complètement moulante. Donc ça reste raisonnable, je trouve. Et pour l'associer, en haut, j'ai choisi de mettre un haut plus sobre, noir, pour quand même casser un petit peu le côté imprimé léopard du bas. Et j'ai pris un haut que j'ai dans mon armoire depuis l'année dernière, que j'ai acheté chez Kiabi pour une dizaine d'euros, je crois, qui est un haut en velours. Je pense pas qu'on s'en rende bien compte à la caméra, mais c'est du velours, donc il faut quand même enlever les petites pluches dessus de temps en temps. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça se voit pas trop, qu'il attrape un petit peu tout ce qui vole. Et ce que j'aime beaucoup sur ce haut, c'est le détail du col carré qui est hyper original et qui change de ce qu'on voit un petit peu partout. Et enfin, bien évidemment, comme pour toutes les tenues que je vous montre, j'ai un accessoire qui tue. Et cette fois-ci, c'est mon superbe collier que mon chéri m'a offert hier pour la Saint-Valentin. Alors hier, je vous ai fait un post Instagram en vous disant qu'on fêtait pas trop la Saint-Valentin chez nous. Et en fait, il m'a fait la surprise le soir, juste après le repas, de m'apporter une boîte de chez Nash Bijoux. Et à l'intérieur, il y avait ce superbe collier qui est donc en porcelaine verte avec une feuille dessus. Il m'a dit que c'était une feuille de Monstera. En forme de cœur, bien sûr, ce qui lui a tout de suite fait penser à moi. Bien évidemment, j'étais super contente, super émue aussi de trouver ce collier à l'intérieur. Et donc, je me suis empressée de l'associer avec une super jolie tenue pour le mettre en valeur. Et vraiment, je suis ravie de l'ensemble. Je trouve que ça rend super bien. Et vraiment, je pense que c'est le collier qui fait 90% de la tenue. Il me reste encore un énorme paquet de copies à corriger pour demain, mais avant de me remettre au travail, j'avais envie de faire une petite pause pour vous montrer mon dernier achat plante et ma dernière lecture. Alors on commence tout de suite avec la plante. J'ai complètement craqué sur ce mimosa chez Truffaut. J'avais très envie d'avoir du mimosa sur mon balcon. J'en ai déjà un qui est beaucoup plus gros mais qui malheureusement a énormément souffert de la sécheresse cet été et qui n'a absolument aucune feuille, aucun bourgeon en ce moment. Alors il est en train de refaire de nouvelles pousses mais je pense que je n'aurai pas de fleurs avant l'année prochaine au mieux si tout va bien. Et j'avais quand même envie d'avoir du jaune là pendant l'hiver sur le balcon. Et chez Truffaut, ils en vendaient pour quasiment rien. Le pot là que j'ai... Oups, mes cheveux sont pris dedans. Voilà. Le pot que j'ai ici coûtait 10 euros. Donc j'ai complètement craqué dessus. Et bien évidemment, je ne pouvais pas juste prendre un pied de mimosa. J'ai aussi pris le cache-pot qui allait avec. Et j'ai craqué sur ce modèle qui doit être en béton vu le poids qu'il pèse avec un pied. Je trouve que l'association des deux est super jolie et j'ai déjà pas mal de pots un peu dans ce style là sur le balcon, donc je trouve que ça va super bien ensemble.
Je suis très très contente de l'association des deux, je suis très contente d'avoir un nouveau pied de mimosa sur le balcon. J'espère que tout ira bien pour celui-là et je me dis que dans tous les cas, c'est pas gênant d'en avoir plusieurs parce qu'il y en a un des deux qui pourra toujours rester en pot si jamais on déménage. On pourra en planter un en pleine terre et en avoir un en pot, ce sera pas très gênant. Donc voilà, j'ai craqué, je voulais du jaune, c'était pas hyper raisonnable, mais c'était mon envie du moment et je l'ai complètement suivi. Quant à ma lecture de la semaine, il s'agit du tome 7 des Vieux Fourneaux de Lupano Coe. C'est marrant, j'avais absolument jamais fait attention au nom de l'auteur. Donc c'est le tome 7 qui s'appelle Chaud comme le climat. Alors les Vieux Fourneaux, ça a énormément circulé il y a de ça quelques années, donc j'imagine que vous voyez à peu près tous de quoi ça parle. Si jamais c'est pas le cas, grosso modo, c'est trois vieux, comme ils s'appellent, hein, les Vieux Fourneaux. Trois vieux qui sont à la retraite, qui se retrouvent et qui vivent tout un tas d'aventures ensemble. Alors il y a un vieux réac qui est dans toutes les manifs possibles et imaginables. Il y a un papy qui a perdu sa femme, c'est d'ailleurs le début du tome 1, il a perdu sa femme et donc il se retrouve à son enterrement avec ses potes de toujours. Et il y en a un autre qui est un ancien joueur de rugby professionnel qui cause moins mais qui est toujours là pour ses amis. Et c'était hyper sympa sur les premiers tomes de suivre leurs aventures parce que à chaque fois il y avait un petit peu une question d'actualité qui était traitée en fond. Mais je trouve que ça commence à s'essouffler. Alors on continue de se les offrir à tour de rôle avec mon chéri. Il m'avait offert le tome 6, je lui ai offert le tome 7. On les lit tous les deux. Mais c'est vrai que sur les derniers tomes, on est un petit peu moins emballés. Donc si jamais vous connaissez pas, franchement, vous pouvez aller découvrir les 2-3 premiers tomes qui sont vraiment sympas. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller creuser beaucoup beaucoup plus loin. Je trouve que ça commence un petit peu à tourner en rond. Et dans l'ensemble, sur ce dernier tome, je me suis même carrément ennuyée à certains moments. Donc heureusement, c'est une BD, ça se lit assez vite. Mais c'est pas forcément celui-ci que j'irais recommander. Je vais m'arrêter ici pour la partie blabla. J'ai absolument pas fait de goûter cet après-midi, donc je vais aller me chercher une pomme avec du beurre de cacahuète. C'est un goûter que j'aime bien faire. De temps en temps, je trouve que c'est hyper frais et ça calque même pas mal. J'ai tendance à avoir faim dans l'après-midi, donc c'est quelque chose qui me tient au corps pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Bien évidemment, je vais accompagner ça d'un thé. D'ailleurs, on en a acheté deux très bons à Rouen ce week-end. Et je vais le mettre dans ma super belle tasse de chez Framboiselle Céramics, dont je vous ai parlé en long, en large et en travers. Et je vais sortir mes copies. Samedi après-midi, c'est mon premier jour de vacances et je me suis dit que les vacances seraient le moment idéal pour faire un peu de rangement dans l'appartement parce que ce que vous ne voyez jamais à la caméra, c'est que j'ai vraiment tendance à laisser traîner mes affaires et donc quand ça traîne trop, je mets tout ça sur une surface, donc en général mon bureau qui est juste derrière moi. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne complètement insupportable. Donc là, on avait atteint ce niveau, mais ça faisait déjà presque 2 mois que je ne pouvais plus utiliser mon bureau. Donc je me suis dit qu'il était grand temps que ça change. J'ai tout rangé, je vais pouvoir enfin de nouveau m'installer à mon bureau pour travailler.
J'ai encore plein d'autres projets dans l'appartement, des petits rangements à faire que je ferai dans les jours qui viennent. Mais pour aujourd'hui, pour entamer cette période de vacances, ce sera déjà pas mal. Et cet après-midi, on va aller se balader avec mon chéri. Donc je vais terminer ce vlog ici. Encore une fois, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. De mon côté, comme toujours, j'ai adoré passer du temps avec vous. Et je vous dis à la prochaine.